بسم الله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. Bonsoir. Nous allons voir certains versets du début du chapitre les coalisés Al-Ahzab. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا صدق الله العظيم. Dieu exhorte le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, d'être un vrai dévot et d'éviter tout ce qui peut irriter le courroux divin. Ya ayyuha an-nabi ittaqillah. Bien sûr, le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, a été préparé pour cette caractéristique-là de la dévotion. Ya ayyuha an-nabi ittaqillah wa la tuti' al-kafirin. Ne change pas ta voix par celle des mécréants, c'est-à-dire tu dois refuser leurs directives et leurs suggestions, donc tu dois obéir uniquement à Dieu. Voilà tout à l'kafirina ou al-munafiqin. Ni mécréants ni hypocrites, ils ne sont pas des types à suivre ou à adopter leurs attitudes et leurs mauvaises idées. Ya ayyuha an-nabi, ittaqillah wa la tuti' al-kafirin wal-munafiqin. Et à travers le Coran, vous allez voir les dénominateurs communs qui lient les mécréants et les hypocrites. Et les hypocrites sont au pire des états que peuvent atteindre cette humanité-là par son arrogance et son ignorance. Ya ayyuha an-nabi ittaqillah wa la tuti' al-kafirin wal-munafiqin. Et Dieu, il dit, c'est-à-dire, ils seront les compagnons du fin fond de la gêne, tellement ils ont mal fait par cette attitude ambiguë. Ya ayyuha an-nabi ittaqillah wa la tuti' al-kafirin wal-munafiqin. إن الله كان عليما حكيما soit sûr que Dieu il est toujours au courant de tout, il est expert en tout et puis il est le sage des sages. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. Et suit tout ce que Dieu t'a révélé, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. واتبع ما يوحى إليك من ربك, c'est-à-dire tout ce que tu reçois, que ce soit par la voix coranique ou par la voix sunnique, c'est-à-dire Dieu insuffle en ton conscient tout ce qu'il te faut pour bien faire cette mission-là, pour bien rapporter aux gens les bonnes informations concernant leur vécu et leur futur dans l'ici-bas et dans l'au-delà. واتبع ما يوحى إليك من ربك, c'est-à-dire tout ça émane de Dieu et uniquement de Dieu. إن الله كان بما تعملون خبيرا. On l'a vu à plusieurs reprises que Dieu il est toujours expert en ce qui concerne toutes vos œuvres, qu'elles soient pies ou impies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qu'elles soient du domaine de l'intégrité ou du domaine de la déviation, de la rébellion. والسلام على من اتبع الهدى.